reported that all radio contact has been lost with a Learjet believed to be carrying Gulf champion Payne Stewart. The jet is currently still in flight somewhere over the Midwest. Authorities are acting under the assumption that the pilots have lost consciousness and the plane is being controlled by autopilot. The NTSB has been alerted to this still developing situation. Un avion tombe, un train déraille, un oléoduc explose, un pont s'écroule. Lorsqu'une de ces tragédies survient, le National Transportation Safety Board, ou NTSB, doit en trouver la cause et formuler les recommandations appropriées. Le 25 octobre 1999, au matin, le centre de circulation aérienne de Jacksonville reçoit un appel de la copilote du Learjet survolant leur espace aérien. On l'autorise à changer d'altitude. Elle accuse réception du message. Six minutes plus tard, le contrôleur la rappelle. November 47, Bravo Alpha, contact Jack Center on 135.65. November 47, Bravo Alpha, Jack. Le Learjet ne répond pas. Le contrôleur fait cinq autres tentatives. November 47, Bravo Alpha, Jack. November 47, Bravo Alpha, Jack. Sur l'écran radar, il surveille l'ascension, puis constate que l'appareil dépasse l'altitude autorisée. Il atteint bientôt 12 500 mètres, l'altitude maximale pour un Learjet. Le contrôleur consulte aussitôt le plan de vol. Le Learjet a décollé de Orlando 30 minutes auparavant à destination de Dallas. Une fois au-dessus de Cross City, en Floride, il devait mettre cap à l'ouest vers Dallas. Mais il poursuit sa route vers le nord. Le contrôleur demande à un pilote de ligne d'essayer d'entrer en contact avec le Learjet. Can't get any response from the pilot, and he just continues to climb. We think that he may not be responsive, but I didn't know if he might try broadcasting on the frequency up there where you guys see if you can get a hold of him. Just try to see if he responds. November 47 Bravo Alpha American 1138. And November 47 Bravo Alpha. November 47 Bravo Alpha. This is American 1138. Jack, we're getting no response. Okay, thank you. Through his altitude and off course now, so we don't know what's going on. Le Learjet atteint maintenant 13 300 mètres et il est soumis à des contraintes qui dépassent ses capacités. Le contrôleur applique le protocole et contacte le secteur de défense aérienne du Nord-Est chargé de la protection du territoire. À ce moment, on suppose que l'avion a été détourné ou que l'équipage ne maîtrise plus l'appareil. Dans un cas comme dans l'autre, on le considère maintenant comme une menace potentielle. On ordonne à deux chasseurs F-16 en patrouille de rattraper le Learjet muet. Chris Hamilton est l'un des pilotes. Quand on m'a appris qu'un appareil était en détresse, je participais à un entraînement. Le contrôleur nous a demandé si on avait assez de carburant pour l'intercepter. Avant de me diriger vers lui, j'ai rejoint un KC-135, l'avion de ravitaillement, et j'ai fait le plein dans les airs pour avoir assez de carburant. À 10h46, le major Hamilton est en contact visuel avec le Learjet.
Ces images proviennent de la cinémitrailleuse de son F-16. Le Learjet est empalé à 14 000 mètres d'altitude et il file en droite ligne vers le nord-ouest. Je l'ai approché du côté droit. Tout semblait normal. J'ai essayé de voir à l'intérieur, mais c'était trop sombre. 1-3, have you seen any movement in the cockpit? Negative. Je suis allé à l'avant de son aile. Quand j'ai été assez près, j'ai constaté que le vitrage du poste de pilotage était couvert de givre ou de condensation, comme les pare-brises de voiture en hiver. Tout semble indiquer qu'il n'y a plus de vie à bord et que l'avion continue sa route sans pilote. J'étais accablé parce que j'étais tout près et je ne pouvais rien faire. Vers la fin de l'avant-midi, la FAA contacte le National Transportation Safety Board. Le responsable des enquêtes d'aviation de service est Bob Benson. J'ai reçu l'appel de notre centre de communication. C'était plutôt inhabituel parce que l'accident n'avait pas encore eu lieu. Sans pilote, le Learjet est aussi dangereux qu'un missile téléguidé cherchant une cible potentielle. On a commencé à imaginer ce qui arriverait si le Learjet fonçait sur une ville densément peuplée, par exemple. S'il maintient le cap actuel, l'aéronef va bientôt survoler deux grandes villes, Nashville et St. Louis. S'il pique vers l'une de ces villes, les F-16 seront contraints de l'abattre. Mais c'est une décision que seul le président des États-Unis peut prendre. On a appris qu'il y avait un plan autorisant les chasseurs à intercepter l'avion et à le descendre. Avant de prendre cette décision, les autorités demandent aux représentants de la FAA en Floride de déterminer l'endroit où l'avion en perdition va s'écraser. Ceux-ci demandent donc à la station d'information de vol de Saint-Pétersbourg la quantité de carburant dont l'avion disposait au décollage. Ils calculent ensuite sa portée maximum en tenant compte de l'altitude et des vents. En supposant que le pilote automatique maintienne le cap, le point de chute se situe aux environs de Mina, dans une zone peu peuplée du Dakota du Sud. L'impact doit se produire vers midi, heure avancée du centre. On prévient les autorités de Aberdeen, la ville la plus rapprochée du lieu d'écrasement prévu. Vers 11h, heure avancée du centre, l'avion traverse l'Iowa. La FAA émet un communiqué avisant tous les pilotes d'éviter l'espace aérien situé sous le Learjet. Les deux chasseurs F-16 le suivent à la trace. Entre-temps, la FAA a contacté Sunjet Aviation, le propriétaire de l'avion. On sait maintenant que l'aéronef transporte 4 passagers. L'un d'eux est le golfeur Payne Stewart. À l'apogée de sa carrière, Payne Stewart vient de gagner son second US Open, le prestigieux championnat masculin de golf professionnel. L'homme au pantalon à la Tintin et au béret Tam O'Shanter est une célébrité. Les médias s'emparent de la nouvelle et bientôt, une multitude de téléspectateurs inquiets suivent l'événement en direct. I'm Kathy Wasser reporting from Orlando International Airport, where a plane just like the one behind me took off carrying golf legend Payne Stewart and 5 others. Currently, it's believed to be flying with no one at the controls. Right now, we understand F-16s have been called in to escort it to its final destination. À Washington, Bob Benson et son équipe se préparent à partir afin d'enquêter sur un écrasement qui n'a pas encore eu lieu. Entre le moment où on nous a prévenus et celui où l'appareil s'est écrasé, on a eu beaucoup à faire. Ça n'a pas été une mince tâche de réunir une dizaine d'enquêteurs et de se préparer à ça. 4h40 après son décollage, le Learjet approche de la zone d'écrasement prévue.
les pilotes de F-16 remarquent qu'il commence à perdre de l'altitude. À 11 900 mètres, le pilote automatique détecte un changement de cap et se désactive. Les pilotes de chasse aux aguets suivent la trajectoire de l'avion, prêts à l'abattre au besoin. He's on a descending spiral. Who's he at? À midi 12 minutes, l'avion s'écrase dans un pâturage à la vitesse de 975 km/h et se désintègre sur le coup. Un fermier de la région a tout vu. All of a sudden it started flopping, flip-flopping, turning somersaults, and all of a sudden it came straight down. Chose incroyable, l'avion s'est écrasé à 3 km de l'endroit prévu. Tous les occupants ont péri. Au sol, personne n'a été touché. Il appartient maintenant au NTSB de découvrir la cause de l'écrasement. Le commissaire Bob Francis en est le porte-parole officiel. Good afternoon. As you know, there was an accident this afternoon, and we're going to be going out to South Dakota, leaving right now. I don't really know a whole lot more than what at this point than what's been on the news. Dans les minutes suivant l'écrasement, Benson et son équipe de 5 enquêteurs partent à bord d'un appareil spécialement nolisé par la FAA. La nouvelle s'est répandue. Golfers et admirateurs déplorent le décès de Payne Stewart et des trois autres passagers. I can't believe it, I'm sick. What an ambassador of golf. You know, I couldn't believe when he just told me Payne Stewart's plane went down. This is unbelievable. We're shattered at this news. I think golfers all around the world are too. Déchargé de la responsabilité de faire abattre l'avion, le président peut exprimer son chagrin. I am profoundly sorry for the loss of Payne Stewart, who has had such a remarkable career and impact on his sport. Mais le deuil ne peut faire oublier l'énigme sous-jacente. Que s'est-il produit à bord du Learjet? Pourquoi le luxueux jet d'affaires s'est-il transformé en piège mortel? C'est au NTSB de trouver la réponse. Jeudi dès 20h, les humoristes québécois. The depth to the top of the hole in the earth is about 10 feet, but there's a lot of wreckage in there. The earth is quite soft out here. For us to deal with how we approach the recovery of the wreckage is a fairly complicated issue. Vêtus de combinaisons de protection contre les biorisques, les chercheurs recueillent et identifient un à un les débris. Pour les situer avec précision, on subdivise le terrain en sections. I've heard it been characterized as a bit of a rough archaeological dig. And that's kind of what it is. We're going layer by layer. Le FBI scrute aussi le terrain, cherchant d'éventuels indices de complot. Les quelques restes humains sont soigneusement enveloppés et envoyés au bureau du coroner de la région. Bien sûr, il n'y avait pas de corps à proprement parler. Quand un avion heurte le sol à cette vitesse, il se désintègre littéralement, le choc étant amorti par le substrat rocheux. Il ne reste que des morceaux minuscules, rien de reconnaissable. Le premier jour des recherches, les enquêteurs apprennent que l'avion était équipé d'un enregistreur de conversation de poste de pilotage. On utilise une pelle rétrocaveuse pour retourner le sol à l'endroit où l'enregistreur est enfoui. On parvient finalement à l'exhumer. Il était enfoncé profondément dans un terrain mou et humide. L'eau envahissait le trou à mesure que l'on creusait. On l'a quand même trouvé. Il était assez abîmé, mais il n'était pas détruit. On apporte l'enregistreur au quartier général du NTSB, où Anna Cushman, technicienne en enregistrement, l'examine. L'avion était équipé d'un enregistreur numérique. C'est un des premiers modèles du genre et il n'enregistre que 30 minutes de conversation.
Elle espère surtout que les sons produits durant les 30 dernières minutes de vol ont été effectivement enregistrés. Voici les modules de mémoire de l'enregistreur du Lear 35. C'est ce qui remplace la bande magnétique dans un enregistreur numérique. On n'écoute pas les sons en faisant défiler une bande. Pour les entendre, il faut d'abord télécharger dans un ordinateur les données numériques contenues dans les modules. Comme on le redoutait, l'enregistrement ne contient aucun échange verbal. On entend toutefois un son révélateur. Un bruit d'avertisseur dans la cabine. Chaque avertisseur possède sa sonorité propre. Les enquêteurs concluent rapidement qu'il s'agit de l'avertisseur pression cabine. En altitude, l'habitacle d'un aéronef est pressurisé, ce qui permet de respirer normalement. C'est ce qu'on appelle la pression d'air de conditionnement. La pression d'air de conditionnement est la différence entre les pressions d'air extérieures et intérieures. À 12 000 mètres, on maintient une pression intérieure équivalent à une altitude de 1 800 mètres. Une dépressurisation soudaine de l'habitacle déclenche l'avertisseur pression cabine. Pour les enquêteurs, l'indice se révèle crucial. Quelque chose a provoqué la dépressurisation de la cabine. Mais quoi, au juste ? Pour le savoir, les enquêteurs en sécurité aérienne du NTSB étudient attentivement les plans du Learjet. Il s'agit d'un Lear modèle 35, construit en 1976. C'est un luxueux avion d'affaires biturbine à double commande de vol. Il peut loger 8 passagers et il a une autonomie de vol de 3200 km. Habituellement, on enquête sur le site de l'écrasement. Mais dans ce cas-ci, il était plus judicieux de nous rendre directement au siège social du transporteur. Pour en apprendre plus sur l'appareil en cause, Ken Eggy et son équipe se rendent chez l'exploitant d'aéronefs Sunjet Aviation à Sanford, en Floride. Ils y interrogent des témoins et examinent les registres afin de reconstituer le dernier vol. Le matin du départ, on sort l'avion de son hangar à l'aéroport Sanford. On pompe ensuite 2400 kg de carburant dans ses réservoirs d'ailes, assez pour un vol de 5 heures. À 7h25, le pilote dépose son plan de vol à destination de Dallas. Une demi-heure plus tard, l'équipage fait un vol de 15 minutes jusqu'à l'aéroport international d'Orlando où l'attendent ses passagers. Vers 8 heures, Payne Stewart, son agent Robert Freely et Van Arden montent à bord. Ironie du sort, le concepteur de terrain de golf, Bruce Borland, accepte de se joindre à eux à la dernière minute. L'avion décolle d'Orlando à 9h19. La tâche de reconstituer la suite des événements revient au groupe Contrôle de la circulation aérienne et à son responsable, Bill English. On a examiné les échanges radio avec les contrôleurs de Orlando et de Jacksonville. Comme les autres centres de la FAA, celui de Jacksonville règle la circulation aérienne sur plusieurs milliers de kilomètres carrés. Cette zone est subdivisée en secteurs qui possèdent chacun leur contrôleur. Chaque contrôleur est responsable d'un espace aérien tridimensionnel, ainsi que de tous les avions qui le traversent, y décollent ou y atterrissent. Le premier contrôleur assigne l'altitude de 7900 mètres au Learjet. Il confirme ensuite son trajet, Cross City, puis virage à l'ouest en direction de Dallas. Clear direct cross city, then over to Dallas for 47 Bravo. Clear direct cross city, direct Dallas, number 47 Bravo. Thanks. Cross city, direct Dallas, 47 Bravo. Quand le Lear pénètre dans le secteur suivant, un autre contrôleur prend le relais. Le contrôleur suivant, celui du secteur 16, lui a assigné une altitude de 11 900 mètres et le copilote a confirmé. La copilote ne signale aucun problème à bord.
Le contrôleur surveille l'ascension de l'appareil jusqu'à l'altitude de croisière fixée, soit 11 900 mètres. 6 minutes 20 secondes plus tard, le contrôleur appelle de nouveau le Learjet. November 47, Bravo Alpha, contact Jack Center on 135.65. Mais la copilote ne répond plus. Qu'un équipage ne réponde pas, ça n'a rien d'anormal. Ça arrive souvent. Parfois, le pilote a mal placé le bouton de la radio ou il n'a pas syntonisé la bonne fréquence. C'est ce qui explique que le contrôleur ne se soit pas inquiété. Trois minutes plus tard, l'avion atteint 11 900 mètres et il poursuit son ascension. C'est ce qui a alerté les contrôleurs. Ils ont tout fait pour contacter l'équipage, mais sans succès. Après, le Lear a dépassé Cross City et a continué vers le nord plutôt que de tourner vers l'ouest en direction de Dallas. Communication interrompue, mauvais cap, mauvaise altitude. Les contrôleurs ont compris qu'il y avait un problème grave. Ces signes suggèrent que, entre les deux appels du contrôleur, quelque chose est arrivé à l'équipage du Learjet. Quelque chose s'était produit durant ces six minutes, et c'est sur ça qu'il fallait nous concentrer. Les enquêteurs vont alors interroger les pilotes qui ont escorté l'appareil. Au début, j'espérais rejoindre l'avion, établir un contact visuel avec l'équipage et voir comment je pourrais les aider. Mais quand je me suis approché, j'ai vu que le vitrage du cockpit était couvert de givre. Et j'ai compris qu'on ne pouvait plus rien pour eux. La formation de givre ne peut signifier qu'une chose. La température intérieure est tombée sous le point de congélation, autre signe que la cabine a perdu sa pressurisation. Pour comprendre la mécanique des accidents de la route, même d'enquête, le NTSB concentre ses recherches sur le système de pressurisation. La cause de l'accident semblait être un problème de pressurisation et il fallait trouver d'où il venait. Sur un Learjet, le système de pressurisation est alimenté par de l'air comprimé provenant des deux réacteurs. Ce flux d'air est acheminé à un collecteur situé à l'intérieur du fuselage, puis chauffé et envoyé dans la cabine. Le niveau de pression est maintenu grâce à une vanne d'échappement d'air vers l'extérieur. La dépressurisation soudaine d'un aéronef est généralement le résultat d'une perforation du fuselage. Mais les pilotes de F-16 qui ont observé l'avion pendant des heures affirment que le fuselage était intact. On envisage alors une défectuosité dans le système de pressurisation même. Au Dakota du Sud, sur le site de l'écrasement, les enquêteurs continuent de ramasser les débris. Mais ils sont à ce point minuscules qu'on doute de pouvoir reconstituer le système de pressurisation. Ils s'estimeraient chanceux de mettre la main sur un seul petit indice. Après une semaine de recherche, la chance finit par leur sourire. On a trouvé la vanne de régulation de pression cabine, un indice déterminant. La vanne de régulation de pression cabine règle le flux d'air pénétrant dans la cabine. En vol, elle doit être en position ouverte. Celle qu'on a trouvée est fermée. La vanne de régulation de pression cabine était une découverte majeure, car elle confirmait nos soupçons. Mais il fallait trouver pourquoi elle était fermée. L'éventualité que la vanne puisse s'être fermée d'elle-même au moment de l'impact est vite écartée. Elle ne peut pas s'être fermée sous le choc. C'est une vanne activée par un ressort de rappel. La façon dont elle s'est brisée et sa conception même exclut qu'elle puisse être fermée lorsque l'avion a heurté le sol. Mais si elle ne s'est pas fermée sous le choc, qu'est-ce qui a bien pu la fermer ? Les enquêteurs commencent alors à se demander si le pilote ne l'aurait pas fermé intentionnellement. Sur un Learjet, il n'y a pas de climatiseur car en haute altitude, l'air est froid. Mais au sol, lorsque les moteurs fonctionnent, la cabine se réchauffe. Pour prévenir cela,
le pilote dispose d'un interrupteur d'arrêt d'air cabine qui commande l'ouverture ou la fermeture de cette vanne. Au sol, on le met en position fermée pour garder l'intérieur frais et confortable. Si le pilote oublie de remettre l'interrupteur en position ouverte, la pressurisation ne pourra se faire. Mais ce scénario présente une faille. En franchissant l'altitude de 3000 mètres, l'avertisseur pression cabine aurait prévenu le pilote. Pour vérifier s'il s'est déclenché, on réécoute les échanges radio effectués à 7900 mètres. 390 Bravo. On n'entend aucun avertisseur. Les enquêteurs envisagent alors une autre possibilité. Si un Lear perd sa pression d'air de conditionnement en vol, le pilote peut activer un système de pressurisation de secours, alimenté par l'air provenant du système de désembuage par brise. Pour ce faire, il doit d'abord fermer la vanne de régulation de pression cabine. Se peut-il que le Lear ait perdu sa pressurisation et que, voulant la restaurer, le pilote ait fermé cette valve? Le hic, c'est que le système de pressurisation de secours n'a jamais été activé. Les enquêteurs le savent, car ils ont découvert le robinet de pressurisation secours dans les décombres et constaté qu'il n'a pas été ouvert. Si le pilote n'a pas fermé la vanne de régulation de pression cabine, qui l'a fait? La seule autre possibilité est qu'elle se soit fermée d'elle-même. La vanne est envoyée au laboratoire du NTSB à Washington, D.C. Des techniciens l'examinent attentivement afin de voir si elle a pu se détraquer. Mais au moment où tout indique que la vanne de régulation est la cause de l'accident, l'enquête prend une nouvelle direction. Un pilote de Sunjet déclare avoir éprouvé des problèmes de pressurisation sur le même appareil. Il y avait un problème. Le pilote déclare que le 22 juillet de la même année, soit 3 mois avant l'écrasement, l'appareil a perdu sa pression d'air de conditionnement. Les états d'entretien de l'aéronef mentionnent que le lendemain, des mécaniciens ont nettoyé la vanne de régulation échappement cabine. Mais contrairement au règlement de la FAA, la réparation et l'inspection n'ont pas été paraphées. Puis, on découvre d'autres incidents suspects. On a appris que 2 semaines avant l'accident, Sunjet a réparé une fuite à l'arrière de l'appareil. Les enquêteurs réalisent que les procédures d'entretien de Sunjet laissent à désirer. On a appris qu'à plusieurs reprises, les pilotes qui avaient un problème avec leur avion, problème de pressurisation ou autre, l'inscrivaient sur un bout de papier, plutôt que dans le registre de l'appareil. Ce papier était ensuite transmis au service d'entretien. J'ai sorti mon crayon pour écrire dans le registre et on m'a dit « Non, non, pas là-dedans. Écris-le sur un bout de papier, ça suffira. » Les registres d'entretien sont si mal tenus qu'il est impossible de retrouver le problème de pressurisation. Si Sunjet Aviation avait tenu à jour ses registres d'entretien, ils auraient facilement réglé le problème qu'on a découvert en reconstituant les 2 derniers mois d'opération. Pour compliquer les choses, les documents des 5 derniers jours étaient à bord de l'appareil qui s'est écrasé. Bien que tous les indices les ramènent à un problème mécanique dans le système de pressurisation, les enquêteurs sont incapables d'en déterminer précisément l'origine. Après des mois d'enquête sur l'accident qui a coûté la vie à Payne Stewart et à 5 autres personnes, le NTSB a établi que l'équipage a perdu conscience à la suite de la dépressurisation soudaine de la cabine. Visiblement, le problème est d'origine mécanique, mais personne ne parvient à en préciser la nature. Les enquêteurs posent donc la question différemment. Qu'est-ce qui a empêché les pilotes de sauver leur appareil? Lorsqu'un aéronef perd sa pression d'air de conditionnement, un signal avertit le pilote. La procédure stipule qu'il doit aussitôt mettre son masque à oxygène.
Il faut mettre le masque à oxygène et amorcer immédiatement la descente. On réduit les gaz, on déploie les aérofreins et on sort le train d'atterrissage. Le pilote n'en a rien fait. Les données radar indiquent que durant les 6 minutes qui ont suivi le dernier échange radio, le pilote n'a pas amorcé de descente. L'équipage avait un masque à oxygène à sa portée et il suffisait de quelques secondes pour le mettre. La question est donc, ont-ils mis leur masque? On s'est demandé si l'équipage n'avait pas tardé à le mettre. Lors du dernier message, le Learjet franchissait l'altitude de 7900 mètres. À ce moment, l'équipage portait-il son masque à oxygène? On pose la question à Anna Cushman. Quand un pilote parle dans un masque à oxygène, ses propos sont moins clairs. On écoute de nouveau le dernier message, cette fois pour déterminer si la copilote portait son masque. Il n'y a pas de doute possible. Elle ne portait pas son masque. Quand on parle dans un masque, la qualité sonore se trouve considérablement réduite. Sur le lieu de l'écrasement, les enquêteurs font une découverte qui permet d'envisager un scénario pire encore. La bouteille d'oxygène est vide. La bouteille d'oxygène fournit à l'équipage et aux passagers l'oxygène d'appoint nécessaire en cas d'urgence. La bouteille d'oxygène logée dans le nez de l'appareil était encore intacte. La bouteille d'oxygène est intacte, mais vide. L'hypothèse qui en découle soulève l'effroi. Se pourrait-il que, au cours des 6 minutes qui ont suivi le dernier message, l'équipage ait mis son masque et découvert qu'il n'y avait plus d'oxygène? Les tests prouvent que la bouteille était en état de fonctionner, mais qu'elle était vide au moment de l'écrasement. Les enquêteurs en sont persuadés, car ils ont mis la main sur le manomètre de pression. On a trouvé le manomètre et il était en assez bon état. L'aiguille était encore intacte, même si la vitre protectrice était brisée. On a fait des tests en laboratoire, on l'a examiné au microscope, et on a constaté que l'aiguille était à la position vide avant d'être tordue sous l'effet de l'impact. Ce qui confirme que la bouteille ne contenait pas d'oxygène. Mais pourquoi la bouteille est-elle vide? Payne Stewart venait de gagner un tournoi majeur. Les deux agents représentaient des joueurs et des entraîneurs de haut niveau. Et ils négociaient pour des millions de dollars de contrats et de licences. Ils jouaient gros jeu. S'agirait-il d'une vengeance? Jeudi, dès 20h. La bouteille a été inspectée et remplie le 3 septembre, soit près de 2 mois avant l'accident. Dans la période qui a suivi, l'avion a effectué 90 vols. On sait qu'un pilote a consommé environ 25% de l'oxygène alors qu'il utilisait son masque à titre préventif au cours d'une ascension à plus de 10 000 mètres. Mais les enquêteurs ne trouvent rien qui puisse indiquer la quantité exacte d'oxygène disponible au moment du décollage. Il se peut aussi que les passagers aient consommé l'oxygène restant. Lorsque la pression cabine chute, les masques à oxygène des passagers se déploient automatiquement. Se pourrait-il que les passagers aient mis leur masque et que l'équipage ne l'ait pas fait? Qu'ils aient consommé l'oxygène qui restait pendant que l'équipage sombrait dans l'inconscience? L'interrogatoire d'autres pilotes de Lear soulève une autre hypothèse tout aussi dramatique. Ceux-ci rapportent s'être embrouillés lors de la vérification avant le vol et avoir fermé le robinet de la bouteille d'oxygène alors qu'ils croyaient l'ouvrir. Peut-être le pilote a-t-il fait la même erreur le matin de son départ. Les enquêteurs trouvent le robinet, mais il est trop endommagé pour pouvoir déterminer sa position. Une fois encore, on se heurte à plusieurs possibilités qui pointent toutes vers la même conclusion.
une perte de la pression d'air de conditionnement suivie d'une raréfaction de l'oxygène. Plus on prend de l'altitude, moins il y a d'oxygène, ce qui provoque l'hypoxémie. Le corps a un besoin vital d'oxygène. Le fonctionnement du cerveau en dépend. Si l'on est privé ne serait-ce que quelques secondes, ses facultés sont considérablement diminuées. En haute altitude, l'air est plus froid et plus pauvre en oxygène, car la pression atmosphérique est plus faible. À 4500 mètres, le sang ne contient que 80% de l'oxygène qui nous est nécessaire, et le fonctionnement du cerveau s'en trouve perturbé. Le cerveau fonctionne alors au ralenti, et ce, au moment où vous essayez de comprendre ce qui vous arrive. C'est un peu comme l'intoxication alcoolique. On ne réalise pas que nos facultés intellectuelles sont affaiblies parce que notre jugement est affecté. On commet de petites erreurs, comme appuyer sur le mauvais bouton. Dans un avion, les conséquences peuvent être dramatiques. À 10 000 mètres, la pression atmosphérique est si faible que l'oxygène quitte le sang et retourne vers les poumons. Le corps s'effondre, on sombre dans l'inconscience, puis on meurt. Le temps qu'apparaissent des symptômes physiques du manque d'oxygène, avant même de commencer à étouffer ou d'avoir mal aux muscles, le cerveau a déjà cessé de fonctionner normalement et vous n'êtes plus en mesure de comprendre ce qui se passe. Les enquêteurs veulent savoir combien de temps s'est écoulé avant que l'équipage sombre dans l'inconscience. À sa demande, la compagnie Honeywell, un fabricant de moteurs, effectue des simulations afin de déterminer les effets de la dépressurisation à différentes altitudes. L'aéronef a atteint 7600 mètres en 2 minutes environ. Et il a continué de grimper. Ce qui laisse peu de temps à l'équipage pour mettre son masque à oxygène, réaliser qu'il n'y a pas d'oxygène et amorcer les manœuvres d'urgence. Mais aussi court que soit ce délai, le pilote avait assez de temps pour pousser le manche à balai et descendre à une altitude plus sûre. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Pour trouver la réponse à cette question, les enquêteurs du NTSB étudient les antécédents de l'équipage. Le pilote était âgé de 42 ans et avait effectué des milliers d'heures de vol sur des avions militaires. Il était revenu à la carrière après 6 ans d'absence et il pilotait pour Sunjet depuis 2 mois seulement. Il comptait 60 heures de vol sur le Lear 35, la plupart de celles-ci sur un modèle plus récent, équipé d'un système automatique de pressurisation de secours. Sur l'avion accidenté, ce système est manuel. On peut supposer que si l'avertisseur s'est fait entendre, le pilote n'a rien fait, présumant que la pressurisation de secours s'enclencherait automatiquement. La copilote avait 27 ans. Elle était à l'emploi de Sunjet depuis 8 mois et comptait 99 heures de vol sur le Lear. Les deux faisaient équipe pour la première fois. Compte tenu de leur différence d'âge et de l'expérience du pilote, on peut supposer qu'elle lui faisait confiance et qu'elle a hésité à intervenir. Quand on est débutant et qu'on a peu d'heures de vol, on n'est pas conscient de tout. On a des œillères. On se concentre sur le pilotage et sur les moteurs, des tâches qui deviennent une seconde nature avec le temps. Bien que l'accident semble imputable à une série de problèmes mécaniques et d'erreurs humaines, les enquêteurs du NTSB ne parviennent pas à déceler une preuve certaine permettant d'arriver à une conclusion irréfutable. Après 1 an, l'enquête sur l'écrasement qui a coûté la vie à Payne Stewart et à 5 autres personnes a ramené toutes les interrogations à une seule. La question centrale à laquelle personne n'a pu répondre est « Pourquoi le pilote n'a-t-il pas amorcé une descente aussitôt qu'il a constaté la dépressurisation ?» Il aurait fallu moins d'une minute pour descendre à une altitude où l'air est plus riche en oxygène. La question demeure sans réponse. En 35 ans d'existence, le NTSB a effectué 110 000 enquêtes et connu peu d'échecs. L'enquête sur l'écrasement du Lear fait partie de cela. Le 27 novembre 2000, le NTSB publie le dossier d'enquête qui fait état de leur découverte. Le 25 octobre 1999, au matin,
L'équipage vérifie le Learjet 35 en vue d'un vol nolisé de 2 heures vers Dallas. Ce faisant, il a peut-être placé le robinet du système d'oxygène de secours dans la mauvaise position. Le pilote est expérimenté, mais il compte peu d'heures de vol sur un Learjet. L'appareil a déjà éprouvé des problèmes de dépressurisation, qui n'ont sans doute pas été réglés. Le pilote se rend à Orlando pour y prendre 4 passagers, parmi lesquels le célèbre golfeur Payne Stewart. À 9h19, il décolle à nouveau à destination de Dallas. 8 minutes plus tard, il a atteint l'altitude de 7900 mètres. Un contrôleur de Jacksonville lui assigne l'altitude de 11900 mètres. La copilote accuse réception du message. Sa voix est calme et tout semble normal à bord. L'avertisseur pression cabine ne se fait pas entendre et l'équipage ne porte pas de masque à oxygène. Durant les minutes suivantes, l'avion se dépressurise, en partie parce que la vanne de régulation de pression cabine est fermée. L'avertisseur pression cabine se fait entendre, mais l'équipage ne répond plus. En quelques secondes, l'équipage et les passagers sont terrassés par l'hypoxémie. À 9h33, le contrôleur essaie de les contacter. November 47, Bravo Alpha, contact Jack, center on 135.65. November 47, Bravo Alpha, Jack. Gouverné par le pilote automatique, l'avion ne tourne pas en direction de Dallas et continue son ascension, dépassant l'altitude fixée. Les températures intérieures et extérieures s'équilibrent et du givre se forme sur le vitrage. L'avion muet est rejoint par des chasseurs qui l'escortent pendant plus de 4 heures. Un nombre grandissant de représentants civils et militaires attendent, impuissants, l'inévitable dénouement. Vers midi, heure normale du centre, le Learjet est à court de carburant. Il amorce sa chute à une altitude de plus de 12 km et s'écrase à la vitesse de 965 km/h dans une prairie du Dakota du Sud. Le rapport final du NTSB conclut que la cause probable de l'accident est la perte de conscience de l'équipage, imputable à une dépressurisation, elle-même provoquée par une cause inconnue. On n'a pas trouvé de preuves irréfutables établissant la cause de l'accident. Et ça m'embête encore. Durant l'enquête du NTSB, diverses agences gouvernementales procèdent à des enquêtes criminelles chez Sunjet. Le 4 mars 2000, 50 agents fédéraux, incluant ceux du FBI, investissent le siège social et saisissent des centaines de dossiers. Le président de Sunjet, James Watkins, commente alors l'opération en disant que les autorités vont à la pêche. Mais quelques mois plus tard, Sunjet Aviation transfère tous ses actifs dans une nouvelle société, la Orlando Jet Center. Elle continue d'opérer avec les mêmes dirigeants et le même personnel. Après la publication du rapport du NTSB, la FAA accuse le chef pilote de Sunjet d'avoir falsifié les registres de formation. Des 20 heures de formation revendiquées par le pilote du Learjet accidenté, 3 heures seulement ont pu être confirmées. En maintes occasions, les pilotes censés participer à des vols d'entraînement étaient en voyage à l'extérieur. La FAA révoque temporairement la licence de M. Watkins et de 5 autres pilotes de Sunjet. Lors du premier anniversaire de l'écrasement, les familles des victimes intentent un procès à la compagnie Sunjet. L'affaire est toujours devant les tribunaux. Quant aux recommandations faites par le NTSB, elles ont toutes été mises en œuvre. Les pilotes doivent mettre leur masque à oxygène dès qu'ils entendent l'avertisseur pression cabine. Les exploitants de lignes aériennes doivent enseigner aux pilotes comment éviter l'hypoxémie et les pilotes doivent vérifier avant le vol le fonctionnement du système d'oxygène de secours.
Le système de pressurisation du Learjet n'a subi aucune modification. Le modèle 35 vole toujours et il est largement utilisé. Le dernier vol du Learjet N-47BA est un mystère. La seule certitude entourant cette tragédie est le chagrin ressenti par les familles et les amateurs de golf du monde entier. Pour ceux qui l'ont connu et aimé, Payne Stewart reste toujours une légende. Son esprit enjoué, son adresse étonnante, demeurent à jamais dans notre souvenir.